Je vous présente du coup ma dernière innovation qui est donc la remorque solaire que j'ai mis derrière la voiture, une Tesla. Donc là on se retrouve sur quatre panneaux en monocristallin, donc des panneaux qui font chacun 335 watts et j'en ai mis également deux derrière qui pour le moment sont juste en provisoire mais qui par la suite se rabattront pour donner six panneaux orientés plein sud. Alors justement, je voulais que les personnes se rendent compte de ce que peut produire un panneau solaire. Le plus simple possible était d'aller chez les gens et de brancher sur leur compteur et pouvoir faire de ce qu'on appelle l'autoconsommation. Je suis parti sur une remorque solaire en partant sur un essieu de 206. Donc c'est un essieu qui est sur amortisseur, qui permet simplement d'avoir de la souplesse sur la route pour éviter d'avoir de la casse, contrairement à une remorque classique qui souvent sont beaucoup plus fermes sur la route. Donc là on est parti sur des tubes carrés soudés, donc je me suis refixé un essieu de Peugeot 206 donc, qui présente en fait une souplesse, on le voit ici. Ensuite donc tube acier carré, donc on a fait en fait une armature. Alors, cette inclinaison je l'ai pris. Elle reprend en fait l'inclinaison la plus exposée au soleil toute l'année. Donc c'est un angle qui est assez bien. 45 degrés peut-être? Ouais, on est à peu près à cet angle-là. Et après, donc là, bon, je vais l'emmener galvaniser à chaud. Alors, comme d'habitude, j'ai mis sur chaque panneau des micro-onduleurs qui permettent une production plus poussée du panneau. Donc on va ensuite pouvoir le brancher directement au tableau électrique pour pouvoir faire de la réinjection. Donc quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de panneau solaire chez lui, on arrive avec la remorque en une minute, le temps de brancher, 30 secondes pour que le micro-onduleur se cale par rapport au circuit du réseau, et au bout d'une minute, on commence à faire de la réinjection. Alors là, du coup, on a les 4 micro-onduleurs. Il faut savoir que la puissance générée par ces panneaux va entre 0 et 800 ou 900 watts. Avec quatre panneaux, les deux derrière, je les compte quasiment pas parce qu'en fait, ils sont tellement mal inclinés au soleil que le rendement est très très mauvais. Mais quatre panneaux donc ne suffiraient pas pour rouler. Par contre, ils pourraient suffire à recharger. Mais pour recharger sa voiture avec le solaire, il faut quand même qu'on soit branché au réseau pour que les onduleurs fonctionnent. Ce micro-onduleur fonctionne, il faut qu'il soit branché au panneau solaire, donc le plus et le moins. Donc on arrive à du 36 volts continu à du 220. Mais l'onduleur, tous les onduleurs, quelle que soit la marque, ont une norme à respecter, c'est-à-dire qu'ils doivent produire de l'électricité, ils font de la réinjection que lorsqu'ils sont branchés au réseau. Hein, imaginez un agent qui intervient sur une ligne et qui a une centrale photovoltaïque qui produit du courant, il resterait accroché au bout de la ligne. Donc par exemple, si on a des panneaux solaires et que donc sur le toit de sa maison ou sur suiveur, et que EDF a coupé la ligne, on a des panneaux solaires, mais pas de courant à la maison, pas plus que le voisin qu'on n'a pas. Alors si par exemple EDF nous privait de courant pendant une semaine, même 2-3 jours, si on a des panneaux solaires, on peut toujours se débrouiller, c'est-à-dire qu'on peut brancher différemment ces panneaux en utilisant par exemple une batterie de 12 volts d'une voiture ou une batterie stationnaire de Manitou. Et à ce moment-là, on n'aurait donc plus un onduleur, mais un régulateur, qui permettrait de charger la batterie, qui serait sur une batterie de 24, 12 ou 48 volts. Et à ce moment-là, la batterie 48 volts continue
serait capable de produire du courant 220 avec ce qu'on appelle un onduleur. C'est ce qui va permettre par exemple de transformer le 12 volts en 220 alternatif, 50 Hz. Donc cet appareil, bon, il est assez petit, même s'il paraît gros celui-là, mais il y en a des plus performants, des plus puissants, qui sont capables de générer entre 5 et 7 kg. Sans trucage. Donc une borne, son petit badge ChargeMap. On déverrouille la borne. On y met une prise de 120 volts ou une T2. Cette fois-ci, une prise de 120 volts. On referme. Moi, à côté, j'ai la mienne qui est branchée. Donc là, on a branché la remorque solaire directement à une rallonge qui est branchée sur une borne publique de voiture électrique. Donc là, on produit à peu près 450 watts. Le fait de se mettre devant, de bien ombrager, vous avez vu, on chute quand même assez facilement. Je suis au régime, hein, je précise. Voilà. Vas-y, enlève-toi. Hop, on remet le soleil. Donc l'ombre est, ouais, est déterminante pour un panneau solaire, en fait. Ça fonctionne tout de suite, quoi. Voilà. Donc là, effectivement, il y a un soleil, c'est pas un soleil de midi, mais il est plutôt 17h. Donc bon, bah, ça tape, mais... on aurait normalement une puissance entre 800 et 900 watts pour 4 panneaux. Et la propreté des panneaux. Et la propreté des panneaux aussi est très importante, hein, bien nettoyer les panneaux. Alors le mieux, ce serait de les passer à la CRAM, de les traiter un peu comme une peinture à voiture pour que l'eau perle et que la poussière ne tienne pas dessus. Oh. Alors sur micro-onduleur, c'est pas très pénalisant. Hein. Si maintenant on avait un gros onduleur, tiens, regarde, 400, là ça serait catastrophique. Hein. On pourrait passer de ouais. 500 à 100 watts. Là, il y a 448 watts, mais ce n'est pas les panneaux qui consomment 448 watts. C'est, on réinjecte 448 watts dans le réseau. Donc nous, on ne vient pas chercher du courant, on vient en donner. En plus, c'est gratuit c'est dans Lyon. Et en plus, chez nous, c'est gratuit le courant. Il faut bien comprendre, c'est que le courant qui est produit, là, c'est 441 watts par les panneaux solaires. Là, je vais brancher la voiture, je vais brancher la Tesla dessus. Et en fait, si je recharge à 2 kg sur la voiture, donc 2000 watts, j'ai 1600 watts qui va venir de la prise électrique, donc de la borne publique pour les voitures électriques, et j'ai 400-500 watts qui vont venir des panneaux. Donc le courant est feignant, il va prendre le circuit le plus court, et donc le plus court pour lui, c'est de passer du panneau solaire à la voiture. Ça lui demandera plus d'énergie. De ressortir de la prise de courant et d'aller dans le réseau. Alors nous, on a mis une multiprise, hein, c'est provisoire, mais ça dépanne c'est bien. Juste pour la démonstration. Ouais. Donc on va brancher la voiture. Tesla. On voit bien qu'il est alimenté, il est ouvert. Réalisé sans trucage, on branche la voiture. Je vais tirer à 2 kg, je vais régler. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. C'est vert. Donc là, on tire 6 ampères. Donc 8 km par heure, on pourrait demander un peu plus. On va aller voir ce que ça donne sur la prise ampèremétrique. Alors, voilà, ça monte. Donc là, 600, on est à 1500-1800 watts. Quand les panneaux solaires vont se mettre en route dans les secondes qui suivent, là, on va chuter à 1400. Voilà, ah, ils viennent de se mettre en route. J'ai entendu claquer aussi. Ouais. J'ai entendu claquer, là. Hop, ils sont en route. Et là, hop, tout de suite, 400 watts, ouais. On passe à 1450. C'est-à-dire que le complément, en fait, vient des panneaux solaires. C'est pour ça que là, on demande moins d'énergie à la borne électrique. Par exemple... Là, ouais, on est à 450 watts par 4 panneaux. Quoi. Bon, là, on n'est pas au meilleur de... Voilà, le soleil est couchant. Soleil déclinant. On n'est pas sur un soleil de midi. Hein. Un système comme celui-ci, donc il y a 6 panneaux solaires. En termes de poids, on doit être à peu près à 100 kg de matériel. On va dire que sur une remorque, ça se bouge très simplement. Le fait d'avoir une simple remorque comme ça dans sa cour ne nécessite pas de permis de construire. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Pour de la revente... à EDF, ça vaut pas le coup en fait. Vaut mieux avoir des panneaux, ses propres panneaux, même si on a 3 ou 4 ou 8 ou 12, vaut mieux avoir ses propres panneaux et faire de l'autoconsommation. C'est-à-dire que quand il y a du soleil, bah, on consomme à ce moment-là quand le soleil y produit. Et quand il n'y a pas de soleil, bah, effectivement, on fait attention à mettre moins de machines en route pour éviter de faire appel au réseau. Donc soit on peut faire soit de la revente EDF, chose que je déconseille parce qu'ils rachètent à un prix misérable. Deuxième chose, soit vous êtes en autoconsommation.
ou soit vous êtes en totale autonomie, c'est-à-dire que là vous êtes débranché du réseau. Vous avez donc une batterie à la maison stationnaire avec des régulations et des onduleurs qui permettent d'avoir du courant tout le temps. Alors mono ou poly, peu importe, les rendements sont quasiment identiques pour avoir fait des essais sur une année. Alors bien sûr, si on compare un mono et un poly, il faut comparer les mêmes puissances, hein, 335 watts pour ce panneau. Qu'il soit en paysage ou en portrait, ça ne change rien du tout. Ils ont le même rendement. Ce qui est le plus important, c'est l'orientation. Si elle est fixe, il faut qu'elle soit souvent plus inclinée debout. J'ai presque envie de dire, en hiver, il faudrait que le panneau soit quasiment debout. Là, on a des réels besoins, où là, le soleil se couche tôt et démarre tard le matin. Alors qu'en été, bah, on n'est même pas levé que le panneau solaire produit déjà, et quand on va se coucher, il produit encore. Donc l'été, ce n'est pas un problème parce qu'on a besoin de chauffer moins d'eau, on n'a pas besoin de chauffage, on a moins besoin de préparer des plats chauds comme la raclette, etc. Donc voilà, le panneau solaire, vaut mieux chercher, pour ceux qui veulent de l'autonomie, à le mettre le plus debout possible pour avoir un rendement là où le soleil est moins fort. Donc là, on a une surface à peu près de 6 mètres carrés. Chaque panneau fait 1,65 m sur 1 mètre. Pour la rentabilité d'un panneau solaire, il faut compter en gain, en électricité. Alors tout dépend le prix que vous payez l'électricité. Nous, on le paye à peu près 18 centimes, sans parler des taxes, et tout, enfin l'acheminement. Donc c'est 18 centimes le kilowatt. Un panneau solaire va produire à peu près l'équivalent de 325 kilowatts à l'année. Donc à peu près un gain entre minimum 50, sur suiveur on peut atteindre 70 voire 80 euros par panneau et par an. Ouais, j'ai mis à peu près une semaine pour la refaire à remorque là. Tranquille. Bah après c'est plus trouver les angles, les coupes. Ouais, une fois galvanisé, ça sera pas mal. Et là, en fait, ce que je vais mettre, c'est une rouge ok à l'arrière aussi. Ce qui permettra, parce que cette remorque tourne quand même chez moi quand elle tourne toujours, en fait, cette remorque. Elle produit du solaire tout le temps en permanence. Et quand les gens veulent faire des petites démos, alors bien sûr, il faut que les gens soient venus de chez moi. Hein. Je vais pas faire 400 km. Même dans le noir, ça produit très peu, mais un peu. Non, alors la nuit, ça produit pas un panneau solaire. Ah, non, hein, parce que ça, on l'entend aussi. Avec un la lune. Le solaire ne produit pas la nuit. Avec la lune. Ni avec la lune. Bon. Non, non. Ça, c'est faux. Je produis entre 70 kg maximum par jour. Et le minimum, c'était 2 kg. Et en fait, c'est quand il y avait ça de neige sur tous les panneaux. J'avais pas eu le temps de déneiger. Mais ça produisait quand même. Alors la nuit, ça produit pas. C'est totalement faux. Ni en plein clair de lune. Mmh. Ça tient la route. On pourra peut-être pas rouler à 120-130, mais au moins le souci premier était les secousses par rapport au panneau. Alors, j'ai pour projet de faire une autre remorque, mais pas avec ce genre de capteur, avec des capteurs à tubes. Donc, je pense que c'est faisable, en montant en plus après sur Silent Bloc. Ouais. Donc, bon, c'est déjà une première, on voit ce que ça donne, on a du résultat. Voilà. Ça fonctionne. Donc, 4 panneaux, ouais. Je suis convaincu. 4 panneaux, effectivement, si tout le monde avait 4 panneaux sur son toit, on aurait des factures d'électricité qui chuteraient sans problème.